Docteur Ambrin. C'est moi. Vous avez fait bon voyage. Très bon, merci. Vous cherchez quelque chose? Non, quelqu'un. On s'imagine toujours quand on rentre chez soi qu'il y a tout un tas de monde pour vous accueillir. Mais le président de la République, c'est trop. C'est pas pour vous qu'il est là. Il part en France rencontrer qui vous savez. Ah ah. Comment, c'est tout ce pour la portée de Paris? Oui, le reste est là-dedans. Et c'est le plus précieux. Je l'emmène à l'hôpital. Le docteur Carole vous attend. Entrez. Ah, vous voilà. Ça n'a pas été trop long? Non, pas trop. 20 minutes de voiture, 6 heures d'avion et 12 ans de travail. Parlez-moi de Paris. Duquel il y en a tellement. Mon Paris à moi, c'était le Boulmiche, le quartier latin. Qui avez-vous eu comme professeur? Eh bien, Bourrel à la Pitié et Albeaufernay à la Hennec. Ah, vous étiez à bonne école. Ici, vous verrez, c'est pas du gâteau. La première chose, c'est que vous visitiez les lieux. J'ai pensé que vous ne pourriez avoir de meilleur guide pour cela que... Entrez, mon petit. Mais c'est Oyane. Oh, tu m'as reconnu, tu ne m'as pas oublié. Oublié? Je t'attendais tout à l'heure à l'aérodrome. J'étais même furieux de ne pas t'y trouver. C'est vrai. Je ne pouvais pas venir, j'étais de survie ce matin. Vous devez avoir beaucoup de choses à vous dire. Montrez-lui l'hôpital. Prêt. J'y vais. Eh bien, voilà. Oui, voilà. Tu vas bien? Très bien. Et toi? Moi, ça va bien. J'ai quelque chose à te dire, Philippe. Ah oui? Eh bien, moi aussi. Alors, parle d'abord. Non, toi. Cette histoire de se fiancer quand on est enfant, c'est une vieille coutume de chez nous. Mais tout ça, c'est fini. C'était bon pour autrefois, plus maintenant. Bien sûr, Yann. C'est un engagement qui ne nous lie pas. Tu es libre de choisir qui tu veux. Toi aussi, Philippe. C'est ça que je voulais te dire. Je te remercie. Ça n'empêche pas qu'on pourra se marier après, si on en a envie. Il faut faire connaissance. C'est tout à fait mon avis. Et si on ne se plaît pas... Fini. On n'en parle plus. On reste bon copains, c'est tout. Oui. On va tout de même pas nous marier de force. Je voudrais voir ça au XXe siècle. En tout cas, moi, je ne t'ai pas oublié. Puisque je t'ai apporté un cadeau. Ouais, qu'est-ce que c'est? Devine. Oh, mais Philippe, c'est un anneau. Comme quand on se marie. Bien sûr, idiote. Je n'ai pas de temps à perdre, moi. Alors, cet après-midi, on va voir tes parents et on arrange tout ça? Mais tu sais, avec mes parents, c'est le vieux système, la dot. Et alors, c'est gros la dot? Mais bien sûr, j'ai beaucoup de valeur. On leur a déjà offert un buffle et 3 cochons. Et ils ont refusé tout ça? Oui. Oh, c'est de la folie. Allez, viens, mais je ne sais pas si on aura assez d'argent. On lui achète une bicyclette? Oh, oui, il rêve d'en avoir une. Tu crois que ça lui plaira? Oh, oui, elle est jolie. Hé, hey, patron! Voilà. Combien votre vélo? 10 400. Tenez. Merci. Au revoir. Au revoir. Thank you.
Ça va? Alors, tu viens avec nous? Oui. On va chercher Charles et on revient tout de suite. Salut Christiane. Où est Charles? Oh, Charles! Charles! Alors, tu es prêt? Bien sûr. Où est ma soeur? C'est Christiane qui l'a. Bon, alors viens. C'est celle-là, ma soeur? Oui, elle te plaît? Christiane! Très bien. Formidable. Très gentil à vous deux. Oui. Ça fera sûrement un plaisir, maman. Allez, venez, on y va. Benoît, ouais, Benoît. Oui. Alors, c'est prêt? Oui, c'est prêt. Marcel. Frédéric. On y va. Oui. Non, quoi ni, non, quoi ni. Je m'en gagne. Choix. Ce matin? Ce matin, ça va mieux, docteur. Bon, continuez les sulfamides. Hein, toutes les trois heures. Et vous, ça va? Ah, beaucoup fièvre, moi, docteur. 38,5. Moi, j'ai eu 50 une fois. Et vous voyez, je m'en porte pas plus mal. Alors, pas trop dépaysé? Oh, non. Vous savez, c'est la même routine qu'à Paris.
Ici, à Libreville. Mais vous seriez en brousse si c'était notre paire de manches. Vous auriez affaire aux sorciers, aux superstitions, aux guérisseurs. À propos, mademoiselle Acquéry, le franc perd à 4 heures pour une tournée de détection et de vaccination. Veillez à ce qu'il emporte bien tout son matériel, qu'on n'en laisse pas la moitié ici comme la dernière fois. Dites, patron, pourquoi ne ferais-je pas cette tournée? Ce serait un excellent moyen de me mettre dans le bain, comme vous le dites. Vous savez, les monts de cristal, c'est la région la plus dure du Gabon. Je sais. Vous m'en voudrez beaucoup si j'insiste? C'est une absence d'un mois, et pour des jeunes mariés... Ça ne fait rien, il ne faut pas en tenir compte. Merci, Oyane. Tu es une excellente femme, et tu sais ce que je veux dire. Bon, c'est d'accord. Au fait, si vous n'aviez pas insisté, je vous en aurais voulu. Les monts de cristal, c'est tout ça. L'enfer vert. Maintenant, on arrive dans le domaine de Rispal. Rispal? Oui, le forestier, un drôle de type. Ah oh oui, comment ça? Oh, une espèce de demi-dieu pour ces gars. Ah, c'est excellent, comme ça il va m'aider. Oh, n'y comptez pas trop. Oui, pourquoi? Vous avez déjà vu un sorcier blanc aider les médecins dans ce pays? Un sorcier blanc? Vous rigolez? Ça va? Salut Colette, ça va bien? Votre courrier? Non, il n'y avait rien ce matin. Mais où est Toubib? C'est moi. Bonjour madame. Enchantée, je m'appelle Colette. Enchantée, moi Philippe. Sur les vaccinations? Oui, antivariolique. Va chercher mon mari. Je vous montre votre case? Oui, merci. Tu sais où est la tienne? Oui, oui. À tout à l'heure. À Libreville, on aurait dû vous dire que c'est inutile. Parce qu'ici, Pasteur, c'est comme la neige, ils ne connaissent pas. Je vous remercie et j'espère que votre exemple sera efficace. Ouf, vous faites pas trop d'illusions, jusqu'à présent ça n'a rien donné. C'est ici. J'espère que ça vous va. Je suis navrée, mais c'est tout ce que j'ai à vous offrir. Et vous savez, en brousse, on se contente de ce qu'on a. Le nécessaire, c'est déjà du superflu. Vous inquiétez pas, ça ira très bien. J'ai mis vos infirmiers là-haut. Ah, mon mari. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Espal. Ah non, il y a erreur sur la personne. Je suis le contremaître, le patron, il y a Belle Lurette qui est au boulot. Ah bien, et où est-il son chantier? À 25 km d'ici. Et les pistes sont défoncées, hein. Mais ça ne fait rien, je vous amène en hélicoptère. Moi, je vais bien, mais je vous préviens, le patron n'aime pas qu'on le dérange dans le travail. Enfin, si vous y tenez, on y va. Thank you.
Dieudonné, vite, aide-moi. Oui, patron. Massacoche, vite. C'est grave, ça. Qu'est-ce que tu me veux? Je suis médecin. Pas possible. Si, c'est le toubib de Libreville, il vient pour la vaccination. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Mais enfin, cette plaie a besoin d'être drainée, suturée. Malheureusement, ici, on voit les toubibs rarement. Alors, on se débrouille. Et on ne s'en porte pas plus mal. Allez, lève-toi. Et demain, tu seras guéri. Aide-le. Et le plus fort, c'est que c'est vrai. T'es d'ici, toi? Où as-tu fait ta médecine? À Paris. Tu n'avais pas besoin de venir d'aussi loin. Les herbes de ton pays, il n'y a qu'à se baisser pour les ramasser. Seulement, il faut savoir les choisir. Mauvais début. Mais ça s'arrangera au fond, c'est un brave type. Seulement, il n'aime pas les étrangers. Qui est l'étranger ici? Lui ou moi? Oh, avec des raisonnements comme ça, tu vas pas en tirer grand-chose. Je n'ai pas l'intention d'en tirer quoi que ce soit, figurez-vous. Votre rispal, je vous en fais cadeau. Et personnellement, mes rapports avec lui en resteront là. Absolument rien, c'est juste une petite piqûre de rien du tout. Tiens, tu vois, c'est là. Oh, me viens, n'aie pas peur à long, t'es un homme, quoi. T'es pas une mauviette, hein. Hé, hey, les enfants, ça y est. J'en tiens. Tu verras, tu sentiras rien. Allez, allez, vas-y. Eh ben, vas-y. Romuald, il s'appelle. Oui, c'est ça, avec un dé, il habite le village juste à côté. Oui. Eh ben, c'est pas la peine que je me donne tant de mal, hein? De toute façon, on n'est pas censé vacciner de force, Alain. Eh ben, t'en auras pas beaucoup. Tant pis, ça sera tous ou aucun. Toubib, donne-moi deux hommes costauds et je te les ramène tous en colonne par deux. Vous avez bien prévenu tout le monde, au moins. Oh, pour être prévenu, ils sont prévenus. Mettez-vous à leur place dans leur langue, vaccin et piqûre, c'est le même mot. Ntumbu. Alors, j'y vais ou j'y vais pas? Non. Où est-elle, la case de votre rispal? À 1 kilomètre en brousse.
Hé, hey, l'Institut Pasteur. Attention de ne pas te casser la gueule. Entre. Assieds-toi. Justine, un autre verre. Qu'est-ce que c'est? Mixture maison. Monsieur Rispal, si je suis venu, c'est que j'ai besoin de vous. Personne n'est venu à la vaccination. Vous êtes le seul qui puisse m'aider. Pourquoi voudrais-tu que je t'aide? Parce que vous aimez ce pays. Et parce que vous savez aussi bien que moi la déplorable condition dans laquelle il vit. Et le droit qu'a tout homme, ici comme ailleurs, d'avoir... Oh, j'ai déjà entendu ça quelque part. J'en ai déjà connu des types comme toi. Cette manie que vous avez de fourguer votre camelote à des gens qui ne vous la demandent pas et qui sont bien heureux sans ça. Moi aussi, j'ai connu un type dans votre genre, quartier latin. Une grande gueule qui se donnait des airs bourrus pour cacher qu'il était plus intelligent et plus sensible que les autres. Il avait peut-être 30. Ça ne nous a pas empêchés de devenir deux grands copains. Et comment que t'as fait pour l'apprivoiser? Si je suis venu me planquer ici, c'est pour éviter d'entendre des conneries pareilles. Maintenant, si t'as besoin d'un petit service... Oui, ça me ferait plaisir. Demain, je t'emmène à un bouti. Mais c'est de la sorcellerie. Parle pas de ce que tu connais pas. Tu tiens à ta vaccination, oui ou non? Oui, mais enfin, je vois pas le rapport. Oui ou non? Ben... Bon. C'est drôle. J'ai l'impression que c'est vous qui êtes le noir et moi le blanc. Demain à 7 heures, hein? Et sans faute. On est planté. Mais quelle idée d'avoir pris un chemin pareil. C'est le seul chemin qui conduise au village du Bouiti. Tu as entendu parler de Mamie Ouattin? Oui, vaguement. Cette vieille légende de la femme blanche aux longs cheveux qui envoûte les hommes et les rend fous. Fou d'amour. Dire qu'il y a des gens qui croient encore à ces sornettes. Bon, aide-moi à aller descendre. Il y en a des bonnes. Ah, il faut se dépêcher. Ça attend quoi? C'est bon. Prends ça. Bolo. Attends-moi ici. Bolo. 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 Ma son de Bayang. Basso yen me bok fan me buti ne me mbiri. Bakuma yen dokita anava a kuma yem bien mburi. Manava a barle bayan anama baba. Manon kora ma kaba vidi na ma yak. Manon koma bok ma fuma koko mala. Dime sa venir en kora a barle bayan. Si tu ne changes pas d'avis cette nuit, tu refuseras du monde à ta vaccination. Je ne demande pas mieux. Alors fais ce que je te dis.
Et suis-moi. À leur truc. C'est moins des choses. Qu'est-ce que tu leur as dit? Que ton vaccin les protégera de Mami Wata. Décidément, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Plus que tu ne le crois. Au suivant. Le nom pour toi, c'est comment? Milan Pauline. Très bien. Le nom pour toi? Sosa Sima Bango. Avec deux S. Comment, mais t'as changé de nom? Il y a deux jours, tu t'appelais autrement. Bango Daniel. Mais pourquoi tu changes? Parce que ma femme, elle n'aime pas mon nom. Tu sais qu'ils n'ont pas fini de s'amuser, sans se mentir. Allez, vas-y. Le nom pour toi? Moi, c'est toujours Kumba. Dis donc, Colette. Hein? Si on va chez les Lecointre. À Pont-d'Arrier? Oui, il y a de la truite dans le coin. Alors, qu'est-ce que je monte comme hameçon? Du 1 ou du 5? Oh, t'as la folie des grandeurs, mon pauvre vieux. Oh, pardon. On rigole bien. Où est le Toubib? Pas vu. Je vais le chercher. Qu'est-ce qu'il peut bien lui vouloir? Oui, mais dans tous les cas, moi, je monte du 16. Oui, oui, du 16. Voilà. Thank you.
Enfin, cet homme est en train de mourir. Il faut faire quelque chose. Le genre d'endroit que Mami Wata choisit pour apparaître. Enfin, sérieusement, à ton âge, tu ne crois quand même plus au conte de fées, sans blague. Dis donc, l'homme du Buiti, tu le croyais mort, non? Oui. Alors? Si on parlait d'autre chose. Sais-tu qu'il y a très peu de personnes qui connaissent l'intérieur de cette maison? Je sais. C'est peut-être qu'on va devenir amis. Peut-être. Tu veux boire un verre? Qui est-ce? Ma femme. Tu es marié? Oui. Et elle vit en métropole? Non, ici. Tu veux que je te la présente? Tu lui plairas sûrement. N'est-ce pas, Isabelle? Isabelle, je te présente Philippe, docteur en médecine. Pas de chance. Aujourd'hui, madame ne reçoit pas. Elle est plus hospitalière quand je l'autorise à reprendre sa forme de femme. La plaisanterie n'est pas de très bon goût. C'est vrai que tu ne crois à rien. De deux choses l'une. Ou tu te fous de moi et tu as du temps à perdre, ou vraiment tu es cinglé. Et ça, c'est plus grave. Tu refuses une troisième hypothèse. La bonne? Oui, laquelle? Que ce soit la vérité. Bon, en discutons pas. La souris, c'est ta femme et le singe ton reflet dans le miroir. C'est bien ça. Et pourquoi pas? Il y a des choses qu'on n'apprend pas dans les livres.
Ça étant bien arrangé en Europe. Ils m'ont appris à penser juste et à voir clair, à me dégager de toute cette brume qui pèse encore sur l'Afrique, où tu as l'air de te complaire. Et si je m'y trouve bien? C'est pas vrai. Et d'ailleurs, tu n'as pas le droit. Personne n'a le droit. On est bien libre, on est en République. C'est pas une question de liberté. Mais d'humanité. Ouais, les grands mots, les grandes théories. Tu appelles ça des grands mots, toi? Hôpitaux, universités, aérodromes, télévision. Pour moi, ce sont des réalités, des nécessités. C'est criminel de rester inerte dans un monde qui bouge. Chaque jour, tu m'entends, il y a des progrès nouveaux dans tous les domaines. Continue, tu m'intéresses. C'est un devoir de bâtir un pays moderne, de vivre avec son temps. En notre époque, celui qui n'avance pas recule. Oh non, je t'en prie, arrête tes salades. Saldon va me foutre en ragne. On peut plus vivre tranquille. Ouais. En se fichant de tout, en s'en croûtant. Comme moi, mais dis-le, te gêne pas. Mais enfin, regarde autour de toi. Moi, en tout cas, je n'emmerde personne. Excuse-moi. J'ai du travail. Tu ne dis pas au revoir à Isabelle? Bonsoir, Isabelle. Tu sais qu'en Europe, dans un music-hall, tu ferais fortune. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui chantiez hier soir? Où? Près des Palais Cuvier. Non. Non, je n'ai pas bougé d'ici, j'avais du travail. Et puis d'abord, si j'avais chanté, il pleuvrait. Là. Allez, assieds-toi. Là. Oh. Là, c'est froid, hein? Ouf. Alors, Toubi, tu viens ou tu viens pas? Oui, on y va. Allez, descends. Tu
vas voir, je vais te montrer. Regarde. T'as compris? Là. L'exemple, y a que ça. À quelle heure ce soir? Ben, je sais pas, moi, vers 6 heures. Je pense que ça sera fini. Bon. Bonjour, cher, ça va? Bonjour, docteur, oui, ça va. Dis donc, tu viens à la case ce soir? Je t'ai fait préparer un bon petit repas africain. Ah. Du manioc, du requin fumé et des queues de serpent en brochette. Non, je ne peux pas aller. Eh ben, on te donnera un beefsteak pommes frites. Non, vraiment, j'ai affaire ce soir. Ah, tu as affaire. Tu appelles ça avoir affaire? Ah, faut bien que jeunesse se passe. Ciao. Bon, alors on va commencer par celui-là. Fais voir tes camarades. Là. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Passe à cloche. Michel! Il va revenir, ça ne sera pas long. Nana Tougo. Si tu as soif, tu bois. Nakenda. Bien, bien. Je me suis brûlée. Vous pensez que ce sera grave, docteur? De toute façon, les fantômes ne prennent pas feu, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas un fantôme. Je suis bien vivante. Heureux de vous l'entendre dire. Mais comment se fait-il qu'au village, personne ne soit au courant? Ils vous enferment ou quoi? Ah. Oui, je sais. La cage. Tu peux revenir, Michel. On a bien ri. Où s'est-il caché? Vous savez, je n'ai pas tellement envie de le revoir. J'ai si rarement l'occasion de parler à quelqu'un. Et je suis très bavarde. Mais avec Michel, il y a longtemps que nous n'avons plus rien à nous dire. Eh bien, maintenant vous aurez un sujet de conversation tout indiqué pour les soirées d'hiver. Tu te rappelles, le toubib noir de Libreville commence à payer sa tête. Je n'ai aucune envie de me moquer de vous. Aucune. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Quand vous étiez en France, vous avez sûrement entendu parler de la Belle au bois dormant. Eh bien, je suis quelqu'un dans son genre. Depuis que vous êtes arrivé, c'est comme si je sortais d'un long sommeil. Alors, la magie ne suffisait pas. On appelle effet la rescousse. Parfait. Je comprends tout. La cerise change en femme, le carrosse en citrouille, Michel, c'est la fée Carabosse, et moi, je suis le prince charmant.
Il suffisait d'y penser. Pourquoi vous fâchez-vous? Vous savez bien que je parle au figuré. Personne ne me fait jamais la cour. Comment voulez-vous qu'une femme reste jeune si on ne lui fait pas la cour? Allons, dites-moi que... depuis le premier soir à la cascade, vous mourrez d'envie de me revoir. Même si vous ne le pensez pas. Je le pense, figurez-vous. Sinon, pourquoi croyez-vous que je serai là? Enfin, un mot gentil. Et alors? Où est-ce que ça nous mène? Vous êtes tellement pressé d'arriver quelque part. Tiens, tu es là, toi. C'est quand même formidable. Sur 12 pièges, 8 dans la mort, ça a été bouffé. Elles sont malines, les bêtes, dans ce pays. Qu'est-ce que tu cherches? Tu as soif? Non. Tu restes avec moi ce soir? Non. Dis-moi. Il y a longtemps qu'il a été peint, ce tableau? Décidément, ça t'intéresse, la peinture. Pourquoi? Pour rien. Une semaine. On n'a jamais vu ça. Caruel lui-même n'en revient pas. Il est tellement content qu'il m'a permis d'apporter moi-même les médicaments. Tu n'es pas content de me voir? Mais si, en voyant, quelle idée. Mais alors, qu'est-ce que tu veux? Rien. Un peu fatigué, c'est tout. Caruel avait raison, tu sais. Le climat est trop dur ici. Surtout pour quelqu'un qui n'est pas habitué. Puis en a tellement fichu un coup, je me sens fatigué. Ah, chic alors, comme je suis contente. Je te dis que je suis malade, et c'est tout ce que tu trouves à dire. Écoute, Caruel a dit que si tu te sentais fatigué, il te conseillait de rentrer immédiatement. Le front prendra ta place. Si tu tombes vraiment malade, on sera bien avancé, Philippe. Allez, rentre avec moi. Tu as peut-être raison. Ici, je ne me sens pas dans mon élément. Je suis complètement désorienté. Je n'arrive même pas à fixer mes idées. C'est d'accord, Royal. On rentre. Retour à la civilisation. Le macadam. C'est bon, le macadam, non? Par où aujourd'hui? À Libreville. Déjà? Ah, il se fait remplacer par un autre toubib. C'est ça, qui se fera prendre par la peau du cou et virer par Rispal. Après ce qu'il a fait pour toi, moi je trouve ça pas très très chic. Hein. De toute façon, je le reverrai peut-être jamais, alors? Toi peut-être, mais ton remplaçant. Hein? Vous avez raison. Je vais le voir, mais uniquement à cause de mon remplaçant. Oui, en attends-moi ici, je reviens tout de suite. Plus large! Ouais! Allez, vas-y.
deux sorties. Je pars. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Je pars, Michel. Je rentre à Libreville. Définitivement. Le médecin-chef me rappelle. Alors, quand ma brosse ne me réussit pas, mon remplaçant arrive demain matin. J'espère que tu lui feras bon accueil. Bien sûr. Désolé. Mais il y en a une autre qui va avoir de la peine, c'est Isabelle. Elle était si contente. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, ouais. Elle t'a parlé? Tu es au courant? Elle t'a dit que nous nous sommes rencontrés? Pourquoi est-ce que tu fiches le camp comme un voleur? Qu'est-ce que tu fuis? La brousse ou elle? Il vaut mieux que je parte, Michel. Ça va lui faire d'autant plus de chagrin qu'elle avait préparé une petite fête ce soir. Pour nous trois. Je comptais justement t'inviter à dîner. Enfin, si ta décision est prise... Plus. Ma trousse. Où est-elle? Derrière, je te la donne. Tu as changé d'avis, Philippe? Oui, Colette a raison. On est arrivé à un résultat parce que ce type m'a pris à la bonne. Que demain, il voit un autre visage, il est capable de tout remettre en question. Pardonne-moi, Ouya, va vite. Tu reviens quand? Dès que je pourrai. Vous en faites pas. Les hommes sont déjà fous à l'état naturel, mais ici, ça se multiplie par 10. Encore quelque chose? T'as plus faim? Non, ça va. Qu'est-ce que t'as trémoussé comme ça? Qu'est-ce que tu cherches? Quelque chose? Ou quelqu'un? Tiens, emporte ça. Je t'avais promis qu'elle serait là. Ouais, elle est là. Aujourd'hui, elle a choisi d'être souris. Moi, j'y peux rien. D'ailleurs, c'est son droit. Je suis un con, tu m'entends? Un con! Je laisse Eloïane et je reviens me fourrer entre tes pattes. Encore une fois. Et j'en redemande! Qu'elle soit ta femme, une souris ou une fille du diable, pour moi, c'est tout comme. Je m'en fous, tu m'entends? Je m'en fous! Philippe, vous avez eu raison de lui tenir tête. J'étais si contente. Moi, je ne peux jamais lui parler. Je n'ose pas. Il me fait peur quelquefois. Vraiment. Vous aimez ma robe? Un peu démodée, n'est-ce pas? Pourtant, je ne l'ai portée qu'une demi-douzaine de fois. Non, je ne veux pas vous mentir. Pas à vous. Je vais vous dire toute la vérité. Dites. Eh bien, je ne l'ai jamais portée. C'est la première fois que je la mets. Oui, j'attendais une occasion exceptionnelle. C'en est une ce soir. Il ne s'agit pas de votre robe. Il s'agit des choses bien plus importantes. Dites-moi la vérité, je vous en supplie. Mais quelle vérité? Dans la forêt, la vérité change suivant le jour, l'heure, la nuit, et suivant les yeux qui la regardent. Cette lueur là-bas, c'est peut-être le reflet de la lune, ou bien le sillage que laissent derrière eux les esprits de la rivière. Cet arbre, c'est un arbre magique. Un jour, Michel l'a abattu et les racines ont continué à vivre. Eh bien, moi, je suis pareil. D'un côté, j'existe. D'un côté, je n'existe pas. Alors, je vais t'emmener loin d'ici. Dans un lieu où les reflets sont des reflets et où les arbres ne ressuscitent pas. Tu veux bien, n'est-ce pas? Dis que tu le veux. Si toi, tu le veux vraiment, je te donnerai infiniment plus. Dis-moi seulement que tu m'aimes. Je me sens capable de tout. De tout? De tout.
Il est arrivé ici dès le début avec lui. Je sais que tu es son homme de confiance. Son homme d'année. Donc tu la connais. Tu ne peux pas ne pas la connaître. Où se cache-t-elle? Et pourquoi il la cache? Ramban la mienne? Pas belle de Nigoïne, il y en a un homme du mot. Mais enfin, parle, bon sang, dis quelque chose. Va bien. Va voir mon mari. Mais à quoi vous jouez au juste? Quelque chose qui tourne pas en tout bib? Je peux vous aider? Voilà tes chaussures. Colette, s'il y avait dans ce village ou alentour une autre femme blanche, ça se saurait, non? Assure. Ça me permettrait de parler chiffon. Ah oui, mais il y aura un inconvénient. Je ne serai plus la reine de monde cristal. Et moi, que serais-je, ô belle reine? Mon bouffon. Enfin, je ne suis pas fou. Je lui ai parlé, je l'ai vu, je l'ai touché. Ouais, une grande blonde. Oui, c'est ça. Ouais. Avec des yeux bleus et une voix très, très douce. Oui, oui. On lui dit? Eh bien, puisque tout le monde le sait. C'est mamie Wata. Qu'est-ce que tu veux, toi? Une couverture. Couverture pour lui. Une couvrante, voilà la couvrante. Dis donc, il te reste de la confiture. La confiture, mais bien sûr, voilà la confiture.
l'ai acheté chez un petit bijoutier de la rue du Sentier. Oh, ça ne vaut pas beaucoup d'argent. Mais c'est l'intention qui compte, non? Seulement, l'occasion fait le larron. Qu'est-ce que tu crois? Tu t'y prends mal. On prend les bijoux après, en général. La femme d'abord. On ne t'a pas appris ça à l'université? Je t'interdis. Quoi? Tu sais ce que ça vaudrait, ton petit flagrant délit? Un cassage de gueule, 8 jours sans paye, ou la porte avec mon pied au cul, au choix. J'espère que tu plaisantes. Bon, évidemment. Je vais t'expliquer. Surtout pas. On rigole, non? Isabelle aussi, d'ailleurs. Regarde, elle se fout de nous. Ah non, je t'en prie, ça suffit. Ton petit numéro est très au point. J'ai même eu tort de ne pas le prendre au sérieux, si ça peut te faire plaisir. Seulement là, c'est trop. Et c'est dommage. Parce que tu n'y crois pas. Attends. Histoire de savoir si une femme peut devenir une souris. Qui est-ce qui va s'offrir une belle petite souris blanche pour son déjeuner, hein? Arrête, tu veux? Expérience de laboratoire, ça doit te plaire. Arrête, tu veux. Je te croyais pas sensible à ce point. Tu n'as pas honte? Et toi? Tue-le, Philippe. Tue-le. Tu sais bien qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais pourquoi aurais-tu pitié de lui? Est-ce que ce soir, il a eu pitié de moi quand il a voulu me faire tuer par le chat? Non! Tue-le. Tu seras délivré de lui. Nous serons délivrés de lui. Il n'y aura plus d'obstacles entre nous, tu entends? Plus d'obstacles. Il faut aller jusqu'au bout, Philippe, tu le sais. Non! Non! Mon pauvre chéri. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Mais pourquoi? Quelque chose qui ne va pas, Toubib? Je vous ai entendu crier. Je vais foutre le camp. Et vite! Avant qu'il ne soit trop tard. Laissez-moi passer. Je ne veux pas que vous partiez. Laissez-moi passer. Comme vous voudrez. Comment êtes-vous arrivé ici? Qu'importe, puisque je vous ai retrouvé. C'est lui qui vous envoie, n'est-ce pas? Ça l'ennuie de perdre son jouet. Vous amusez bien tous les deux avec moi. Je suis venu parce que vous aviez besoin de moi. Vraiment? Alors montez, venez avec moi. Où voulez-vous aller? J'ai besoin de clarté, de lumière. Mon teint supporte mal la lumière du grand jour. Alors tant pis, je pars seul. Seul? Tu sais bien que tu ne seras plus jamais seul.
Erreur. Ça durera ce que ça durera, mais je m'en sortirai. Et un beau matin, tout sera oublié. Lavé. Tu ne m'oublieras jamais, Philippe. Un jour, tu penseras être guéri. Et au moment où tu t'y attendras le moins, je serai près de toi, à te toucher. Et tout sera recommencé. C'est pas vrai. Au revoir, Philippe. À très bientôt. Tu as l'air complètement épuisé. Tu as roulé toute la nuit. Ne me laisse plus partir. Ne me laisse plus jamais partir. D'attendre ici toute seule, c'est plein de monde. Je comprendrais que ça te gêne s'il n'y avait que les hommes. Mais il n'y a presque que les femmes ici. Sais-tu pourquoi je suis en retard? Ça va, Ryan, on l'a. Carriel nous a pistonnés, c'est d'accord. Je viens de signer et on peut aménager. Oh, Philippe, c'est pas possible. Deux grandes pièces, une cuisine et une vraie salle de bain. Oh, Philippe, on va fêter ça. Tu veux bien? On dînera au restaurant chez les Chinois. Et puis après, on ira au cinéma. Et après, on ira danser. Et dans 15 jours, on sera chez nous, dans une vraie maison. Je ne pourrai jamais attendre ça. Où vas-tu? Vous, Isabelle? Oui, moi. C'est pas possible. Si, vous voyez bien. Isabelle, vous aviez raison. Je n'ai pas cessé de penser à vous. Ah? J'y pensais si fort que c'était un véritable supplice. Eh bien, maintenant que vous m'avez retrouvée, ça doit aller mieux, non? Je ne sais pas, moi. Vous paraissez si froide. Vous n'avez pas l'air de me reconnaître. Vous êtes fâchée? Fâchée? Oh, pas du tout. Non, j'essaye de m'habituer, simplement. Mais où nous sommes-nous rencontrés? Comment avez-vous pu oublier ça? Avant-hier, au Mont de Cristal. C'est vrai, où avais-je la tête? Une si merveilleuse soirée. Et bien rentré. C'est la première fois que je vous vois rire. Eh bien, comme ça, vous saurez quoi faire. Whisky? Alors, qu'est-ce que vous me racontez? Ce que vous voudrez. Maintenant que je vous ai retrouvé, je ne vous quitte plus. C'est à ce point-là? Comment vous êtes différente. Mais différente de qui? Différente de vous-même. Ah!
C'est bien vous, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. C'est chez vous, ici? Oui, c'est chez moi. C'est beaucoup plus agréable de vivre ici qu'en forêt, n'est-ce pas? Où ça, en forêt? Ah oui, en brousse. Il vous a laissé partir? Qui ça? Eh bien, Michel. Michel? Répondez-moi. Vous m'aviez dit, le jour où tu penseras m'avoir oublié, je serai près de toi, t'es touché. Ah. Seulement là-bas, vous aviez un peu trop de mystère. Et ici, vous n'en avez pas assez. Isabelle. Mon nom est peut-être moins romantique, mais il a l'avantage d'être le mien. Je m'appelle Catherine. Ce n'est pas possible. Vous êtes un drôle de type. Mais en tout cas, vous ne m'amusez plus. Ciao. Tiens, Ariel, nettoie mes instruments. Qu'est-ce que tu as? Depuis quelque temps, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, qui ne va pas. Je te connais, je t'observe. Non, il n'y a rien. Docteur, je voudrais vous poser une question. Oui. En France. Non, en France, quoi? Ça arrive souvent qu'un homme marié pense à une autre femme. Mais non, voyons, qu'est-ce que tu vas chercher là? Occupe-toi plutôt de ton travail au lieu de rêvasser. Joli ça. Merde, vois. Je m'agagne dans mon gars. Qu'est-ce que tu as, ma fille? Cette fois, j'en suis sûre. Il y a une autre femme dans sa tête. Mamiwata est panga eno. Chimboy, reste pas. Kaze kidengo ganga, ijanjino, pange Philippe kufinya gorewe. Amani. Bye.
Chargé pour la cantine? Tout y est, patron. Moustiquaire, whisky. Tiens, prends ça. Tu reviendras chercher le reste. Ah ben, qu'est-ce que tu attends? Patron. Quoi? Les hommes de la montagne ont entendu crier les éléphants. Et alors? Ils aiment bien, mais c'est pas bon. C'est le signe de la mort. Au contraire, c'est signe que le troupeau n'est pas loin. La chasse sera bonne. N'oublie pas la machette. Un revenant. Un peu plus, tu me ratais. Où est-elle? Il faut que je lui parle. Il faut que je la voie. Eh, bien sûr. Assieds-toi. Elle est justement partie faire un tour. Elle va pas tarder. Bois un verre en attendant. Vous partez pour longtemps? Tu ne me tutoies plus? Tiens, c'est la ville qui t'a rendu snob? Je veux dire vous deux, car je suppose que tu l'emmènes. En principe, oui. Un peu plus d'un mois. On m'a signalé un rassemblement de troupeaux dans le nord. Pas, Michel. Ah. Je suis venu te la prendre. Comme ça. Encore faudrait-il qu'elle soit d'accord. On lui demandera. C'est ça. On lui demandera. Quand elle rentrera. La voilà. Isabelle, je suis venu te chercher. Tu vas partir avec moi. N'est-ce pas? Ce n'est pas de moi que ça dépend, Philippe. Que dit-elle? Tu l'as entendu aussi bien que moi? Elle hésite, c'est normal. Mets-toi à sa place. Moi aussi, elle m'aime. Ce n'est pas vrai. Elle te déteste, elle me l'a dit. Sans blague. Répète-le, Isabelle. Il n'a pas besoin d'avoir peur. Je suis là pour te protéger. C'est vrai. Je le déteste. Pardonne-moi, Michel. Pardonne-moi d'être le plus fort. Mais je ne peux pas me passer d'elle, ni elle de moi. Dis-lui que tu m'aimes. Il ne le croit pas que tu m'aimeras toujours. Eh bien, dis-le, Isabelle. Je t'aime. Plus fort. Pour qu'il sache. Pour qu'il comprenne. Je t'aime. Tu as entendu? Moi aussi, elle me l'a dit.
Seulement, ce que tu ne sais pas, c'est qu'Isabelle est morte il y a 20 ans. Je l'ai enterrée de mes propres mains. Tu peux y aller voir. Qu'est-ce que tu racontes? À deux pas d'ici, près de cette maison. Je ne te crois pas. Je ne peux pas te croire. Tu croyais me la voler. Tu n'as connu qu'une image. Sais-tu ce que tu buvais chaque fois que tu venais ici? De l'iboga. La liqueur des illusions, des hallucinations, des mirages. Isabelle était au fond de ton verre. Je lui parlais. Elle me répondait. C'est toi qui faisais les demandes et les réponses. Ce n'est pas vrai. Tu mens. Et si je te disais que j'en ai bu, moi, de cette liqueur, en cramé? Tout valait mieux que le désespoir et la solitude. Je me fous de ton chagrin. Dis-moi la vérité. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu cherchais, hein? Mais dis-le, à vous! Tu avais l'air si sûr de toi quand tu es arrivé ici. Avec ton petit bagage de science, de logique, de raison, j'ai voulu te donner une leçon. J'ai voulu que tu comprennes que tout n'était pas si simple. Tu as vu le portrait? Tu as été pris dans l'engrenage. Et puis, pour moi aussi, c'était une façon de la faire revivre. Même à travers toi. Tu veux boire encore? Je devrais te tuer. Tout va bien, ne pleure pas, ton mari est sauvé. Ngangi, on t'a coupé le nom, au roi.